Coucou les filles, j'espère que nous allons bien. Alors aujourd'hui, je nous amène la solution naturelle comment couvrir les cheveux blancs grâce au henné et la poudre d'indigo. Alors les cheveux blancs, et c'est pas toujours ceux qui sont âgés qui ont les cheveux blancs. Il y en a, c'est dans le gène, comme on dit. Et donc voilà, il y a les plus jeunes aussi qui ont les cheveux blancs. Alors ce moyen naturel va vraiment nous aider à couvrir ces cheveux. Alors nous aurons besoin de la poudre d'henné. La poudre d'henné, je vais faire passer la photo tout de suite là. Donc la poudre d'henné est là. Et donc ça se vend sur eBay. Nous allons acheter ça sur eBay. La poudre d'henné. Et puis voilà, nous aurons besoin de la poudre d'indigo. La poudre d'indigo aussi. Donc tout c'est naturel, c'est à la base des plantes. Et donc ça ne va pas détruire nos cheveux ou quoi que ce soit. Donc ça va vraiment nous aider à couvrir les cheveux blancs. Et la poudre d'indigo est là. Voilà. Nous allons acheter le deux poudres sur eBay ou encore sur Amazon. Voilà. C'est à la base des plantes. Vous voyez la photo. Il y a la plante qui est là, donc visible. Voilà. Donc c'est à la base des plantes que nous allons couvrir vraiment nos cheveux et blancs. Voilà. Nous aurons besoin des jus de citron. Voilà. Et puis jus de citron comme ceci ou encore le jus de citron frais, vous allez presser le jus, voilà. Mais apparemment ça c'est mieux, donc pour faire le mélange. Et nous aurons besoin de jus de citron, nous aurons besoin de l'eau, de l'eau pure, ça dépend de vous, et de l'eau pure ou bien encore de l'eau de robinet, et pas de souci. Donc et pour faire le mélange, et donc j'aimerais déjà nous signaler, il faut faire ça at least par mois 2 fois. Et continuez à faire ça, continuez à faire ça jusqu'à ce que vous allez vraiment obtenir la solution que vous voulez. Voilà. Et donc faire ça chaque fois. Donc comme j'ai dit, 2 fois le mois, c'est bien. Nous aurons besoin des gants aussi. Vous aurez besoin de gants parce que le mélange de ces deux poudres, et ça va vraiment. Et c'est tellement teinté. Donc ça va vraiment gâter les mains. Et voilà. Donc vous aurez aussi besoin de chapeaux de bain comme ceci en plastique. Pour couvrir la tête. Donc voilà le mélange, c'est parti. Donc vous allez mettre la poudre d'abord d'henné, et la poudre d'henné est là. Donc nous allons mélanger avec les citrons, mélanger un tout petit peu jusqu'à obtenir la pâte comme la pâte de yaourt. Voilà. Donc nous allons continuer à mettre le jus de citron, comme j'ai dit, de préférence jus de citron en bouteille. Voilà, à la place de jus de citron au frais que vous allez presser. Donc ça, là, ça demandera un peu beaucoup de citron. Voilà. Donc continuez à mélanger. Vous allez mélanger. Ça, c'est la poudre d'henné d'abord. Donc la poudre d'henné doit être préparée au préalable. Donc nous allons garder ça pour 8 heures du temps. Ou encore, il y en a qui gardent pour 24 heures. Donc et pour utiliser ça le jour après. Voilà. Nous allons préparer d'abord la poudre d'henné. Préparer ça comme ceci, bien préparer la poudre de nez, mélanger avec le jus de citron, pas de l'eau, le jus de citron. Alors, après le mélange, couvrez, vous voyez, avec ces papiers d'aluminium, couvrez ça très bien, comme j'ai dit, après 8 heures du temps, ou encore overnight, ou encore donc un jour après. Donc, bien couvrir la poudre de nez pour que ça fasse vraiment le mélange bien avec le citron. Et voilà, donc là, après 8 heures du temps maintenant, vous allez ouvrir et puis regarder comment il y a un peu de bobos. Et puis, donc le mélange est vraiment bien fait. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons passer aux deuxième étapes qui est faire le mélange maintenant de la poudre d'indigo avec de l'eau. Donc, la poudre d'henné, c'est avec le jus de citron, mais d'indigo, c'est avec de l'eau pure. Donc, c'est mieux, c'est préférable. Ou encore, ça dépend de vous, de l'eau de robinet. Donc, là, vous allez faire le mélange, donc la poudre d'indigo avec de l'eau, mélangez bien et tout doucement mélangez. Donc la quantité de la poudre, tout dépend de vous, donc il ne faut pas aussi trop faire pour gaspiller comme toujours. Vous allez faire donc une quantité qui va vraiment vous servir une fois pour toutes et puis c'est bon. Donc mélangez bien avec de l'eau, continuez à mélanger avec de l'eau comme vous voyez là. Donc voilà le mélange, obtenez la pâte comme ceci et de là maintenant nous allons mélanger le tout. Nous allons prendre maintenant le mélange de la poudre d'indigo et puis mélanger dans la pâte d'henné. Donc voilà, là c'est le mélange des deux pâtes maintenant. Vous allez bien mélanger les deux pâtes et puis
directement appliquée sur les cheveux. Et donc voilà, laissez travailler pour 4 heures à 8 heures. Voilà, il y en a qui gardent ça pour 24 heures, mais c'est pas vraiment facile de dormir avec une pâte sous les cheveux. Donc c'est mieux de garder ça sous les cheveux pour 4 heures. At least, c'est bon. Après 4 heures, maintenant nous allons laver les cheveux. Et donc après avoir bien appliqué la pâte sur les cheveux, couvrir les cheveux avec le chapeau en plastique, voilà, chapeau de bain. Et puis après, maintenant nous allons laver les cheveux avec de l'eau froide. De l'eau froide, c'est vraiment conseillé. Donc n'utilisez pas de l'eau chaude, n'utilisez pas les shampoings, n'utilisez rien du tout sauf que de l'eau. Et puis quand vous allez laver les cheveux, donc faites de votre mieux de mettre la tête en bas pour vraiment faire écouler tous les résidus facilement. Donc la tête en bas, donc la photo va passer bientôt pour vous montrer comment vous allez faire. Voilà. Donc vous allez mettre la tête en bas et puis voilà, pour bien laver les cheveux. De l'eau froide, c'est conseillé. Pas de l'eau chaude, pas de shampoing. Donc rien, donc regardez la photo comme ça est là. Donc vous faites de votre mieux d'avoir la position et comme ceci pour vraiment bien laver et tous les résidus, enlever tous les résidus de la pâte. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Coucou ma maman, Léon et Libiso aux solutions pour la Sukiya Pembe. Alors, Sukiya Pembe, et Zara Karapona Mikolote, Bamsu Ezali, famille. Ezana djenn, au moins mon mukeme, aza djenn asukia pembe, ezanango mabete. Alors, on a libre une solution moko naturelle, na base à bas plante. Donc, na base à bas plante. Voilà, ezali solution moko vraiment naturelle, ego salap sur mabete. Alors, bandeko to sale la yango, parce que nan gozo moutouna, ego zo tamboni, pou e salaboye. Alors, ezali vraiment batwa sale la yango, fou sale la yango, koutan na routine na yo, voilà. Alors, poudre le bosso, vous avez besoin de poudre oyo, poudre aîné. Bah poudre nous sommes balayés, anyway, ils ont été comme on a eBay, na Amazon. Et non, ça les fournit sur le lien pour notre consommation bah, directement. Et sinon, poudre aîné en guana, ils ont tous nous surtout la base à plantes. Vous avez besoin. Et bongo, tout consommation bah, poudre oyo, d'indigo. Il est pas autre comme toujours na eBay, na Amazon. Nous sommes la base à plantes. Alors, bah poudre nous balayer, tout ça, on va mélange. Et voilà, tout ça, on va mélanger pour tout ce qui est et sur la pour la souki à pembe. Alors, tout ça, on a besoin, il y a citron, jus à citron, et de préférence, il y a bouteille, le lingue pour la photo, le lingue pour mélanger bien ça la malam, au lait, tout ça, on va pas citron et fruits, et puis qu'on presse, on va pas citron et bélé, voilà. Alors, tout ça, on a besoin, jus de citron, oyo, le lingue bouillé, tout ça, on a besoin, il y a maille, une des causes de la maille pure. Des préférences, voilà, ou encore maille à robinet, pas de souci. Je suis à maille, alors tout en a besoin à maille, et puis tout en a besoin à bagan. Pourquoi? Parce que mélange au mi balai vraiment, et ça rapina au kangami, il y en a beaucoup, pendant que vous avez beaucoup de thé, et des préférences, vous en a gant, et vous avez mal à mingi, et puis na chapeau de bain, il y a plastique, il y a stoébi. Et puis, tu as déjà un chapeau de bain à bisou, voilà. Tu as besoin d'un chapeau de bain au lingui, voilà. Pourquoi? Parce que tant que tu reposes, tu as une pâte na souki. Et puis, tu recouvres en haut et vendi et malam mingi. Alors, voilà, mélange en haut, voilà. Tu as une aîné. Alors, tu as une aîné, du bosso. Tu as mélangé en citron, malembe. Tu as un aïeux, tu as mélangé mouké mouké. Qui nous plaît, tu as une pâte locale, la pâte ya yaourt. Voilà. Alors, mélangez bien. Alors, tout le monde, juste nos vite, quantité nini. Mais ça dépend de la souki na yo, topé na moutou na yo. Et ça, quantité, ils ont kipé na ngote, n'denge yo gomona, n'est toujours dans le barato, ça n'a absolument aucun mingite, pour n'a gaspiller, te voilà. Ou ça, juste, qui ont utilisé, et puis c'est bon. Alors, voilà. Ils ont continué à mélanger, et mélanger, ils ont attendu yo ndeko, ils ont baxa mouké, mouké citron, ils ont mélangé ainsi de suite, ti. Vous avez une pâte locale ya yaourt et vous avez malam ming alors bandeko aîné et photos préparant en avance donc préparant en avance donc soit préparant un jour avant et là il peut être un bouton na citron
et topé salangopé au gardant pendant 8 heures. Donc voilà, pâte yango wana, toujours le couvrir en papier aluminium. Donc couvrir pâte na papier aluminium peut au gardant bon pendant 8 heures du temps ou encore 24 heures. Donc voilà, des bongo et salamaka mélange 24 heures ou encore 8 heures du temps. Donc pendant ni penza j'ai assis ton a aîné et sang na penza bien et sur la penza que sur la pembe et qu'on facilement. Voilà, après 8 heures du temps, tu y écoutes la yango. Des bongo tous les qui na deuxième étape. Deuxième étape, c'est ali poudre de dingo. Poudre de dingo yango wana. Alors yango peut se rendre mélange. Yes, qu'on mélange les anas citron, tes ali na maille. Donc aîné na citron. D'indigo na maï. De bon, tout ça peut mélanger na biso. Ou jumo à quantité, ya moua malam. Ou jou sang sana maï, na yo malé, malembe. Tio, kwa ou jou apena pati, loko la pati a yaout. Mélanger pinza, jou atana yo, jou mélanger. Et puis, de bon, tout ça la mélange, ya ba pato mi balé. Tout mélangeant ou suko yo. Après, de trop posant ou na souki na biso. Alors, et voilà, tout ça l'ango deux fois na moua. Salango deux fois na moua. Pour avoir mon appel solution rapidement. Donc, tout mélanger le lingue, on a toujours mon pâte yangouana, yandidingo yangouana. Alors, tout ce que nous mélangeons, nous sommes balés ensemble. Donc, tout ce que nous rejoignons, tout ce que nous avons balamoko, n'a pas de nabiso ya iné autostopé par qui yangouana. Tout ce mélanger, pâte ni baléouana. Alors, tout reposer, on a bien à souki posé bien. Couvrir, bien à souki mobimba, posé plastique nabiso, ya chapeau de bain ou couvrir. Alors, on regarde en Onamoto pendant 4 heures. Topé 8 heures, topé 12 heures. Mais, bah, monsieur, bah, là, là, nan, mais il y a même qui est allé vraiment faciliter. Kola, anango. Alors, ce que nous avons une solution rapide, bah, mingi, bah, zola, anango, voilà. Ou ça, l'effort, ou là, l'inango, l'ouki, bah, solution, ne soro, l'ouko, kangaso, kangi, bena, bien, qui est dérangé, mingité, c'est bien, mais, et liste 4 heures, c'est déjà mieux. 4 heures du temps, dans Onamoto, au garder, yango. Alors voilà, étant tout sang si bas patna psoum balé ou ana, tout reposant ou benza bien à souki nan alubi, poser benza bien à souki, souki nyon so benza et zala poser na patte, et puis tout couvrir na sachet na biso. Alors, tant tout gato souko la souki na biso, et si maya 4 heures, et bande ou tout salanini, aux an a besoin ya maya moto te, aux an a besoin ya shampoing te, aux an a besoin ya l'eau kote kaka maya pio. Maya piyo ndeko sokola mutu na ona maika ya piyo ya pamba. E sili, tango sili nde oleki na pomade na oni usayelaka. E pi de preference tango zo sokola yango, tia mutu na direction ya se. Donc na repasse photo, tout de suite pona tomona. O tia mutu na se, pena pona ne bimsa penza, ba e pati one pene ele koule bena bien. Alors voilà, to sala one na bi deux fois na mwa. E na usayel fona tira bisoba lien. Sinon j'espère que vous sepena video commenter. Aimez la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Bye!